La journée au salon est terminée, donc maintenant reste plus qu'à préparer celle de demain. Donc je file vite chez ma grand-mère qui m'héberge pour pouvoir finir de tout préparer. Je suis allée en urgence acheter un sum-up pour pouvoir faire les paiements de demain parce que j'avais aucun moyen de paiement de carte bancaire. En fait, j'ai pas réfléchi. Je pensais que c'était centralisé par le salon, je sais pas pourquoi. Mais... Bref, et après une journée un peu tendue parce que mon conjoint qui est censé me rejoindre avec le réassort de mes patrons n'avait en réalité pas pris son train. Oui pardon, du coup j'avais plus de batterie donc mon téléphone a coupé en pleine vidéo. Donc je vous disais, journée très compliquée parce que à la fois l'excitation du salon et à la fois donc mon conjoint n'avait pas pris son billet de train alors qu'on pensait qu'il avait son billet de train pour venir ce soir, et c'est lui qui apporte le réassort et le reste de tous les patrons que je vais vendre demain. Donc gros coup de stress, mais finalement tout est ok, il est parti, il est dans le train et normalement il a tout ce qu'il faut, donc tout va bien. Donc maintenant ce soir je vais finir de m'occuper de mon sum-up, de tout le reste, et puis préparer la valise pour demain. Donc j'ai à la fois hâte et à la fois j'ai peur parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément de gens le samedi, qu'il fallait vraiment avoir beaucoup d'énergie, donc on verra ce que ça donne demain. Bon bah le salon débute bien, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, certainement je devais avoir encore un œil fermé. Je suis rentrée au salon du meuble au lieu de rentrer au salon de la couture. Une fois dedans je me dis c'est quand même bizarre, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu hier. Oui, c'est normal, c'était le salon de la rénovation du meuble juste à côté. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on va essayer de retrouver le bon salon et puis d'exposer au bon endroit. Ce serait une bonne victoire. Ah, c'est de l'autre côté normalement, c'est là-bas. Oh, c'était trop bien cette couronne. Oh, c'était vraiment super, hein. Ah, j'espère qu'on le refera vite, hein. When the